penser à une histoire que j'ai déjà vue dans la ville. Il se passe quelque chose de génial en haut. Attends, je vais vous la trouver, je vais vous la trouver. Ah voilà, alors écoutez bien ça. Jésus prit avec lui 3 disciples. Donc il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect. Jésus, il a changé d'aspect devant leurs yeux. Son visage s'est mis à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs, sans tache, sans rien, blancs, comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie. Non mais Moïse et Élie, c'était mort depuis longtemps, là on est dans le Nouveau Testament, qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais laisser 3 tentes. » Pour carrément y vivre, quoi. Il disait ça carrément pour y vivre, parce que c'était tellement bon. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'un nuage vint, brillant, vint les couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Écoutez-le, c'était Dieu qui parlait. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent le visage sur la terre. Jésus s'approcha d'eux et les toucha. Et il dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » C'est vrai que ça devait être vachement impressionnant ce moment-là. Mais tellement beau de voir la splendeur de Dieu. Waouh ! Nous, on n'a peut-être pas vécu ça. Hein. On n'a peut-être pas vu cette brillance. Mais en fait, on le voit dans la création de Dieu. Bon, des fois, c'est vrai, on met un peu comme un filtre. Vous voyez, on ne voit pas trop, on est là. On ne fait même pas attention à ce qui nous entoure. Et puis en fait, il faut juste enlever ce filtre. Et puis on peut voir. On peut voir tout ce que Dieu a créé, ce qui est magnifique, les plantes, les oiseaux, le ciel, oh, les étoiles, il y a tellement de choses belles. Alors pendant vos vacances, vraiment, prenez le temps de regarder la création de Dieu. Allez, je vous laisse, moi je vais continuer ma rando.